Le ministre d'État en charge de la justice et des droits humains en séance de travail avec le directeur adjoint division de l'Afrique centrale et australe, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, Edgar Anissé Mumbo-Miyaku et le fonctionnaire international du système des Nations Unies ont abordé des questions de coopération entre l'institution et le gouvernement gabonais. Charles Bamondo pour les détails. De passage à Libreville, le diplomate onusien a cru bon de rencontrer le ministre d'État, ministre de la Justice chargé des droits humains, pour évoquer quelques sujets qui rythment au quotidien la coopération entre Libreville et le système des Nations Unies, notamment l'accompagnement dans le renforcement des capacités institutionnelles, la promotion et la protection des droits de l'homme au Gabon, sans omettre la formation des magistrats dans le cadre de la maîtrise des nouvelles formes de criminalité telles que prévues par les dispositions du Code pénal et le Code de procédure pénale nouveau. Nous sommes en train de revoir les projets dans les systèmes des Nations Unies, dans tous les domaines. Et donc, à un moment donné, nous allons revenir au monsieur le ministre pour lui donner des résultats de ces contacts à l'intérieur du système. Et certainement, c'est nous toujours, les droits de l'homme, c'est une question prioritaire pour les Nations Unies. Et donc nous allons continuer à soutenir le pays, le Gabon et le ministre en particulier sur ces projets. Le gouvernement gabonais est également préoccupé par l'harmonisation des conditions de détention des prisonniers, la préparation à la réinsertion sociale au terme de leur séjour en milieu carcéral.